Bienvenue dans une vidéo un peu spéciale, un petit tuto, un petit short pour comment utiliser les codes déjà écrits pour le PiviBrain 2, mais pour les non-possesseurs de PiviBrain 2, un simple ESP32, parce que je suis pas mal demandé pour comment exploiter ces codes-là et je vais vous montrer un peu la procédure. Donc vous avez besoin d'un simple ESP32 et la procédure est vraiment faite pour les débutants. D'accord? Donc alors si je vais vous montrer un peu pour des cas d'onduleurs type Voltronic, Axper, WKS et ou des choses qui fonctionnent en Modbus type DI. Alors au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin. Si par exemple vous avez un Voltronic, il va falloir un convertisseur TTL 232 et il faut prendre les Max 3232. D'accord? Cela, attention, important qu'il fonctionne en 3V3. Donc vous avez un lien là et puis si vous trouvez moins cher sur Amazon, peu importe. Et pour les DI, par exemple, qui fonctionnent en RS 485, il vous faudra ce genre de carte d'adaptatrice, là voilà, en RS 485. Alors au niveau du pin-out, je vous renvoie par exemple pour les experts un peu à la page de ça ici et vous allez avoir un peu un diagramme ici entre les côtés Max 232 et côté câble RJ45 dont il faudra sur une moitié sectionner pour accéder au câble, vous voyez, blanc-orange, orange et ici bleu, pardon, noir, marron-marron pour la partie masse. Donc voilà. Et pour tout ce qui est en DI, alors là c'est pas très compliqué. Là il vous faudra connecter sur votre onduleur que le signal A+ et B-, donc deux câbles. Et là encore sur le DI, c'est au niveau du connecteur RJ45, c'est la pin 1 et 2 respectivement. Alors, de toute façon, je vais vous remontrer ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur le site du PiviBrain 2. Et à un moment donné, vous allez avoir ici dans Software Installation et vous cliquez sur Dummy Procedure. Et là, il va falloir que vous allez aller sur Gitpod. Alors Gitpod, c'est un genre d'environnement virtuel sur une page web qui permettra de compiler tous vos codes. Alors, pour accéder à ce Gitpod, il va falloir au préalable que vous ayez un code sur GitHub. D'accord? Donc ici, vous cliquez ici au préalable, étape 1, vous créez un compte GitHub. D'accord? Et pour y arriver, souvent vous avez besoin de votre compte Google. Donc ça marche par authentification successive. Une fois que vous avez créé votre compte GitHub, vous allez donc créer votre compte Gitpod. Et en général, celui-ci vous demande est-ce que vous avez par hasard un compte GitHub? Donc vous utilisez l'identifiant du code du compte GitHub pour vous identifier au compte Gitpod. Une fois que c'est fait, donc in fine, qu'une fois que vous avez un compte Gitpod, vous cliquez sur ce lien. Alors moi je vais le faire. Voilà. Et vous arrivez sur cet environnement, vous arrivez à New Workspace, donc vous continuez ici. Donc ça va prendre quelques secondes, voilà. Et vous arrivez sur une page web où tout va être installé, toute l'infrastructure d'ESPM va être installée. D'accord? Donc soyez patient, ça prend quelques secondes, mais c'est en train de se faire. Donc là, vous allez voir pas mal de lignes d'installation de code pour ESP-Home. Voilà. Et au bout de 30 secondes à peu près, ça va être fait. Donc voilà, ça va assez vite. Le serveur de Gitpod est assez rapide. Donc ce qui va être important, c'est que vous allez avoir sur la droite un nouveau pop-up qui va apparaître ici, dans quelques secondes, qui va vous dire d'ouvrir le navigateur web, ici Open Browser. Vous cliquez sur Open Browser. Donc ça va ouvrir virtuellement le ESP-Home sur le serveur de Gitpod. Et là, c'est le code que je vous ai préparé. C'est celui-ci, c'est pour un ESP32 de base. Donc pas pour la carte électronique PiviBrain, mais pour un simple ESP32 où vous aurez attaché comme il se doit les convertisseurs, soit RS232, soit RS485. Vous cliquez sur Edit. Voilà. Et au préalable, pardon. Vous devez aller, alors je vais déplacer ma tête, vous devez cliquer sur Secrets ici, et là, en lieu et place de ce qui a écrit MySSID et les X, vous mettez votre SSID de votre box Wi-Fi et le mot de passe de votre box Wi-Fi. Et là aussi, potentiellement, vous pouvez mettre un password pour le mode AP, mais ce n'est pas nécessaire. Donc le plus important, c'est mettre l'identifiant de votre box Wi-Fi ici. D'accord? Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save. Voilà. Donc moi,
je ne le fais pas, je vais compiler avec les options par défaut. Vous cliquez maintenant sur Edit du test ESP32. Et là, vous n'avez quasiment plus rien à faire. Voilà, donc je vous ai mis trois exemples de code qui utilisent les packages faits pour le PVBrain 2. Là, ce qui est décommenté, c'est par exemple pour un onduleur sofa, un onduleur hybride. Voilà, et du coup, ben, vous avez juste à commenter ou décommenter un bloc. Bon, par exemple, ici, vous voyez que vous avez trois blocs inverteurs, inverteur 1, inverteur 2 et inverteur 3, et seul le deuxième est décommenté. Donc, ça veut dire que je vais compiler pour un onduleur sofa. Si j'avais voulu compiler pour le délier, alors qu'est-ce que je fais? Je sélectionne inverteur 2, je vais le commenter en appuyant sur CTRL divisé en même temps, voilà, ça commente, et je vais décommenter inverteur 1, vous pouvez le faire ligne par ligne, mais bon, moi je le fais tout simultanément, je sélectionne, et CTRL divisé aussi pour décommenter. Voilà, donc là, je suis prêt, j'appuie sur Save, et je clique sur Install. Et là, il va vous dire Plug into this computer. Alors, on va le faire d'abord en manuel download. Il va le pré-compiler une fois pour toutes. Donc, il va installer pour vous toutes les bonnes versions de Arduino Libre et compagnie. Donc, ça va prendre aussi quelques secondes. Mais c'est un ordinateur qui va assez vite. Enfin, pas le mien, c'est celui de GitPod sur lequel tourne actuellement virtuellement ESPiOM. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide que sur un Raspberry Pi 4 ou Pi 5. Donc là, il est en train d'installer tout le framework d'Arduino, parce que là, je compile, par exemple, pour l'onduleur délié en librairie Arduino. J'aurais pu le mettre en ESPDF, mais là, pour faire simple, ça sera de l'Arduino. Donc une fois qu'il a commencé à installer tout ce qui est dernière version de Platform.io et compagnie, il va commencer à compiler le code. Voilà, ça, c'est en train de compiler tous les éléments qui sont dans ce script-là. Donc le but du jeu, c'est de le compiler une première fois. Comme ça, il a déjà les fichiers pré-compilés sur le serveur Gitpod. Donc là, pour l'instant, on ne va pas flasher. C'est pas encore maintenant qu'on va prendre l'ESP et le flasher. Évidemment, en aparté, le temps que de compiler, il faut que pour vous installiez les drivers associés à votre ESP32. Donc vous tapez sur Google driver ESP32 et normalement vous allez arriver sur une page de Silicon Lab dans laquelle vous allez pouvoir installer les drivers, pourquoi pas Windows. Donc ça, c'est important. Il faut que quand vous pluguiez, on va le faire en parallèle, votre ESP32, voilà, quand vous cliquez ici bouton droit, je dis bien, et gestionnaire de périphériques, il faut que vous ayez un port COM qui apparaissent dans port et COM. Ici, vous voyez, il est en port COM 4. Si vous ne voyez pas port COM et LPT, vous allez dans affichage et afficher les périphériques cachés. Et là, normalement, vous devriez voir port COM. Voilà. Et si vous voyez bien que vous avez un ESP, par exemple, Windows Silicon Labs, CP2110, c'est que votre driver est correctement installé. Voilà. Donc là, il est compilé. J'appuie sur Cancel. Voilà. Donc, il est pré-compilé. Et là, maintenant, on va lancer vraiment la procédure de Flash. J'appuie sur Close. Et je vais reappuyer là-haut sur Install. Cette fois-ci, je fais Plug into this computer. Voilà. Et là, il va vous demander sur quel port COM. Vous voyez, j'en ai plein d'activés. Et là, on a vu que c'était sur le port COM. Le Silicon Labs, c'est celui-ci. Et je clique sur Connexion. Et il va se connecter à l'ESP. Alors, si il reste un peu bloqué quelques secondes, ça peut arriver, il n'arrive pas directement sur Preparation, vous cliquez, vous relancez la procédure et vous cliquez sur le petit bouton Boot qui se trouve à droite du, pour moi, du connecteur USB. Et quand il lance Preparation. Et là, il devrait lancer la procédure d'installation. Donc ça, c'est à faire une seule fois. Quand l'ESP32 n'a jamais été flashé, s'il a déjà été flashé, il n'y aura même plus besoin d'appuyer sur ce bouton-là. Donc, vous voyez, il est en train de flasher les choses sur un ESP32 sans rien avoir installé dans Home Assistant. J'ai pas eu besoin d'installer quoi que ce soit sur ma machine parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à compiler. Et voilà. Donc, c'est relativement assez simple. Donc, dans Home Assistant, il va falloir quand même, pour l'aspect auto-discovery, que vous installiez l'addon ESPiOM, mais il n'y aura pas besoin de le compiler avec, parce que là, je suis en train de le compiler depuis Gitpod. Voilà, et dans quelques secondes, il sera compilé, vous voyez. Et normalement, voilà, il va rebooter l'ESP, et normalement, dans votre architecture
Wi-Fi, il devrait être connecté. Donc comment vous vérifiez? Vous vous connectez à votre box, voilà. Donc moi par exemple, j'ai une box free 192, voilà, en 254. Voilà, je clique sur paramètres de la Freebox. Vous double-cliquez. Oui, voulez-vous que vous connectez? Alors, hop, connecté. Voilà. Voilà. C'est pas celui-là. Ça a dû changer. Voilà. Hop. Excusez-moi. Et là, normalement, alors je vous montre sur une box, une free box, un peu différent si vous avez un autre opérateur. Et dans DHCP ici, normalement, vous devez avoir dans les baux statiques et les baux actifs ici de la liste de toutes les ESP. Et normalement, vous devriez voir un test ESP32 qui arrive dans le coin. Voilà. Alors moi, comme je l'ai flashé avec un autre nom, il apparaît, mais c'est celui-ci. Normalement, vous devriez avoir. Alors attendez, et il devait être peut-être en dessous. Tac, 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 tac. Il devait être peut-être par là. Mais bon, normalement, il devrait apparaître là-dessous. Voilà. Donc, c'est une façon de vérifier que vous n'êtes pas trompé, notamment dans le mot de passe Wi-Fi que vous avez enregistré. Et si votre ESP32 n'apparaît pas dans votre réseau local, eh ben, vous recommencez la procédure. Voilà. Donc, vous recliquez ici. Alors, vous fermez ici. Certainement, vous vous êtes trompé dans le secret ici, dans le mot de passe ici. Ben, forcément, je n'ai pas pu me connecter parce que les identifiants n'étaient pas les bons. C'est pour ça qu'il n'est pas vu. Et vous recommencez. Et là, trois petits points. Install, plug into this computer. On va le reflasher une deuxième fois. Poum, on fait connexion. Et là, il reconnecte sur le SP. Preparation. Installation. Donc quand vous faites connect et preparation installation, c'est qu'il a réussi à passer l'étape de boot, d'accord? Et s'il reste bloqué sur la première partie, n'oubliez pas d'appuyer 2 ou 3 secondes sur ce bouton de boot sur le SP32 pour accéder à l'étape d'après. Voilà, donc là je suis en train de reflasher, mais bon, enfin c'est exactement la même chose et normalement ça devrait être vu. Donc c'est une façon de faire pour des gens qui se sentent pas à l'aise pour flasher un sous ISP Home, qui n'ont jamais fait de ISP Home. Cette procédure, normalement, vous n'avez strictement rien à faire à part le câblage, d'accord? Donc connectez vos convertisseurs RS-485. Tous les modèles de connecteurs RS-485 et de RS-232 s'alimentent en 3V3. Donc ça veut dire à partir de l'ESP. Donc vous avez une pin 3V3 sur l'ESP, d'accord? Donc il faut utiliser celle-là pour alimenter votre convertisseur. Le ESP32, en tout cas en 3V3, sera suffisamment robuste et puissant pour l'alimenter. Donc vous avez généralement le 3V3, le ground à brancher et puis TX et RX pour les deux convertisseurs. Voilà, voilà, c'est fait. Et donc ben, vous êtes prêt à tester votre modèle. Et donc je vous rappelle que si vous voulez par exemple compiler, je sais pas moi, le Voltronic, voilà. Alors hop, je prends celui-ci, je le commente. Donc contrôle divisé, pouf. Je vais ici, je décommente, hein, vous pouvez les faire une ligne par ligne, hein, évidemment. Hop, contrôle divisé, pouf, voilà, je clique sur Save, Install. Bon, alors, je fais un manuel download, pas besoin de lancer la procédure de flash. Et là, il va reflasher tout ce qu'il faut. D'accord? Donc, je vous ai fait 2 ou 3 onduleurs, histoire que vous compreniez un peu le truc. Et il va vous rajouter tout. Les entités, d'accord, dès qu'il va découvrir le nœud ISP Home, Home Assistant va automatiquement vous faire une découverte, comme quoi il a découvert un nouveau nœud ISP Home. Il va vous proposer de l'ajouter. Évidemment, vous répondez oui, et normalement, vous allez voir toutes les entités qui commencent par ici test ESP32, mais après vous allez avoir ben, soit Sophar, soit Axpert, soit Dayé. En tout cas, toutes les entités vont apparaître comme ça. Ça sera à vous de les rajouter dans votre tableau. Mais c'était juste pour vous montrer comment on compile les choses. Vous voyez, là, c'est fini de compiler. Il me génère le point bin qui sera potentiellement flashé. Donc, si vous avez compris la procédure, eh ben, vous pouvez en profiter pour récupérer d'autres packages. Il y en a beaucoup dans le PiliBrain 2, d'accord, ben, ça sera un peu la même chose. Donc on a fait pas mal d'onduleurs, pas mal de chargeurs solaires, pas mal de power meters, voilà,
Donc là, voilà. Donc il suffira de les copier-coller dans test ESP32. Ouais, par exemple, si vous avez un gros watt, si vous avez un Victron, que sais-je encore, vous copiez ce machin-là. Attention, il faudra juste changer l'UART ID en UART0 ici. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été un peu utile. Elle est un peu décousue, mais je voulais faire ça spontanément parce que je reçois pas mal de demandes dans ce sens. Et donc, ça doit normalement vous aider. Je vous dis à très bientôt.